et je serai accompagné par Jolavita à la cornée. Ouais. Comme une caméra, j'ai des contre-plongées et des plans de transition aussi. Je fais mon cinéma à longueur de journée. Il en est depuis toujours ainsi. Je picore et je zoome, c'est ma soif et ma faim, dans vos maisons et sur les trottoirs, des scénarios insolites et quotidiens, dignes d'un western ou d'un polar. Le vieux monsieur qui s'en va promener son chien, la guêpe qui vole dans le bus, madame la comtesse sur son 31, et les gouttes qui tombent en plus. Comme une caméra, j'ai des contre-plongées et des plans de transition aussi. Je fais mon cinéma à longueur de journée. Il en est depuis toujours ainsi. Acteur ou spectateur, j'en absorbe toujours. La fatigue seule est un barrage. Si autrefois je ne vous ai pas dit bonjour, c'était pour mieux saisir votre image. Plus souvent qu'à mon tour, je vous ai prise au vol et embarqué dans ma chambre noire. Je développais aussi en vous des paroles et autre chose un peu plus tard. Comme une caméra, j'ai des contre-plongées et des plans de transition aussi. Je fais mon cinéma à longueur de journée ou de soirée. Il en est depuis toujours ainsi. J'ajoute pour l'action quelques indésirables et quelques imbéciles. Parfait. Les ennemis aussi font partie du voyage. Le générique est au complet. Je dose mes couleurs, je soigne mes décors et j'assure ma propre régie quand le soleil en moi tape un peu trop fort. Je me prends même pour un génie. Comme une caméra, j'ai des contre-plongées et des plans de transition aussi. Je fais mon cinéma à longueur de journée. Il en est depuis toujours ainsi. Il en est depuis toujours ainsi. Je ne sais plus en quelle année c'était. Un mercredi après-midi, dans mon pays en Belgique, dans un
quotidien, un journal quoi. Le soir, la dernière heure, la lanterne, la libre Belgique. Bref, un après-midi où les rubriques culturelles étaient à l'honneur. Ça commençait par les derniers bouquins sortis. Et puis je suis tombé sur une rubrique tout aussi actuelle et tout aussi culturelle. Vous n'êtes pas drôle. Même avec vos coupes aérodynamiques, vos rostres ultra chouettes, vos surfaces vitrées, vos systèmes de clés sans clés pour la rythmique, vos berlines, vos 4x4 hyper calibrés. Comme vous vous plagiez, comme vous vous singez, la conformité cautionne le progrès. Où est le temps d'avant, où il suffisait de penser à Volkswagen pour apercevoir une précieuse coccinelle. Et où Peugeot savait jouer les matus avec sa 404 et ses phares pointus. Même à 100 à l'heure, même partant plus vieux, on pouvait encore en avoir pour ses yeux. Glace à l'avant, à l'arrière et bientôt de tous les côtés. Vos transmissions, vos gardes solides au sol, vos boîtes à cire, vos cabriolets. Comme vous vous plagiez, comme vous vous singez, la conformité cautionne le progrès. Où est le temps d'avant, où Mercedes, avec ou sans Monte Cristo, étalait sa calandre au-dessus du capot, et où Renault s'envolait avec une 4L et une sœur dauphine juste à côté d'elle. Même à 100 à l'heure, même partant plus vieux, on pouvait encore en avoir pour ses yeux. Pour une bagnole, vous n'êtes pas drôle. Même avec vos directions assistées très précises, vos jantes en alu, vos sièges avant chauffants, vos dégivrages toujours parés pour la brise, vos airbags, vos ergos, vos conditions printemps. Comme vous vous plagiez, comme vous vous singez, la médiocrité cautionne-t-elle le progrès? Où est le temps d'avant, Citroën avec sa deux chevaux légendaire, ses démarrages lents du côté du starter, et ses phares directionnels, oh quelle prouesse, avec 100 millions d'idées pour autant de DS. Même à 100 à l'heure, même partant plus vieux, on pouvait encore en avoir pour ses yeux.
écoute. Et aux appels télépathiques d'un fruit défendu qui passait par là. Mon cœur sombre dans un esprit critique. Les mirages ne nous épargnent pas. Est-ce un caprice lié au printemps? Un oiseau de malheur qui tape du pied? Un désir d'évasion, de changement, cultivant l'art de se respecter? J'ai beau me dire ce n'était qu'un écart dans lequel plongent tant d'êtres humains. Mon être s'alourdit de part en part, au moins jusqu'à demain, ou après-demain. D'où vient ce souffle étrange, douloureux, tenace, obsédant, même si j'admets, même si je sais qu'il n'y a pas lieu de s'en retourner ni de culpabiliser, j'ajouterai, je surenchérirai les aléas, les embrouilles, les détours, et les coups de canif bien orientés peuvent même devenir des gages d'amour. J'ai mal. Petit imprévu heureux ou malheureux, les guitaristes savent très bien que la corde la plus sujette ou la plus assujettie à valser en l'air, c'est bien la corde de ré. Je vous partagerai en direct une gentille petite vérification. J'avais raison. Mais oui, les cordes, comme les êtres humains, ont besoin de respirer. Mais oui, tu conjures le sort à longueur de temps. Mais oui, je te repère entre mille, c'est flagrant. Mais oui, la rose du petit prince, tu la surpasses. Mais oui, tu m'emmènes aux quatre coins de l'espace. Et si je te dis non, à tort ou à raison, au risque d'être mal compris, déclassé, rejeté, haï. Ce n'est jamais qu'une question d'équilibre, de respiration, de fluidité, d'instant volé et de choix de vie à mener. Quand tu ne manges pas, mais oui, tes frais de voiture, mais oui, ton chat, mais oui, ton passé, je le sais, est lourd à porter. Mais oui, je frémis quand tu me dis, mes jours sont comptés. Et si je te dis non, à tort ou à raison, au risque d'être mal compris, déclassé, rejeté, haï. Ce n'est jamais qu'une question d'équilibre, de respiration, d'instant volé à recréer et d'impondérable à gérer. Tes contours, mais oui, on te harcèle un million de fois par jour. Mais oui, Ibiza est à 100 lieues de chez toi. Mais oui, comme toi, je m'efforce de prendre soin de moi. Et si je te dis non, quelle que soit la raison, au risque d'être mal compris, éradiqué, jugé, honni.
ce n'est jamais qu'une question d'équilibre, de respiration, d'apprendre à mieux te rencontrer là où je suis, là où tu es. Les potes les mieux accrochés au fil des jours et des années, les couples les mieux assortis en parcourant un chemin de vie. Tu le sais comme moi, passe tous par là. Et si je te dis non, et si je te dis non, et si je te dis... Non, ne me répondez plus, de me dire, de me prévenir, de m'avertir, de me signaler, de m'expliquer, de me faire comprendre, de sous-entendre, de répéter, de ressasser. Que le monde est cruel, que les gens sont méchants, que la vie ne fait pas de cadeaux, que j'aurais intérêt les jours où j'ai envie de porter un chapeau, que les amis se comptent sur les doigts de la main, que les politiciens sont pourris, que l'individualisme, le capitalisme triomphe chaque jour en furie. Imbécile, inutile, débile, incongru, superflu, nul et non avenu. Quand je suis KO, quand je me ramasse, quand mes neurones n'arrêtent pas d'appeler. De me dire, de me prévenir, de m'avertir, de me signaler, de m'expliquer, de me faire comprendre, de sous-entendre, de répéter, de ressasser. Que les femmes viennent de Mars et les hommes de Vénus, que les clichés sont des jeux dangereux, que les faits de Serratin sont paroxysme, que dans 20 ans la planète est en feu, que le lait est cancérigène plus de 100 ans, que le marché anglo-saxon déverse à loisir des cacas nerveux sur le compteur de la bonne chanson. Imbécile, inutile, débile, incongru, superflu, nul et non avenu. Quand je suis qu'un quand je me ramasse, quand même, ne me réponds plus. De me dire, de me prévenir, de m'avertir, de me signer, de m'expliquer, de me faire comprendre, de sous-entendre, de répéter, de ressasser. Que j'aurai certain, le jour où j'ai envie de tout prendre des bacs chez moi, à ranger les poubelles, à stocker la vaisselle, à ne pas négliger mes sous-bras. Être dégourdi au lit, veiller sur le gaz, les plaques, les interrupteurs. Me détendre, me respecter, rester moi-même. Et garder ma bonne humeur. Toutes les raisons du monde, bonne humeur, parlons-en, sont bonnes pour faire chier son voisin. Pour déclencher les cataclysmes et des guerres mondiales. La vie ne tient jamais qu'un cheveu, hein. Mais que de fois je n'entends pas autour de moi bien des gens bienveillants me dire « Mon Dieu, comme les gens sont méchants !» Mais je me demande toujours où sont les gens. Et quand je sais que j'en fais partie, je me rends compte que je suis comme tout être humain normalement constitué, je suis une victime incommensurable. Et c'est bien connu que les victimes ont tous les droits. Voici un de mes malheurs. Celui qui en rit, j'ai perdu mon bic, voilà bien le hic, ça me contrarie, je fais du souci, mon moral décline. La mauvaise humeur qui me connaît par cœur, c'est ton se répand dans mon corps brûlant. Vive l'adrénaline! J'ai perdu mon bic! Oui, c'est dramatique! Un bic, un objet auquel je m'étais attaché quand même. Voilà qu'une force occulte m'inflige l'insulte de me le saisir sans me prévenir. Hic, faut que t'aies des merdes. J'ai perdu mon bic. Tragédie classique. Y'a plus que ça qui compte, le restant du monde est gardé. Oh, les survivants s'amuse stabilement à vous grignoter de la tête aux pieds. Vive les jeux pervers. Pour me défouler, j'ai envie de buter.
Le pompiste indien que se croit malin avec ses jeux de mots. Ou la vieille tontoche, gâteuse et moche, qui ne peut s'empêcher de me harceler avec ses sanglots. Quand je retrouverai mon bic égaré, mes petits amis, ce sera fini, je me rabattrai sur la bouche à miel ou le lave-vaisselle. Il sait bien mon bic que tous les motifs peuvent me faire chanter. La crise terminée, quand je serai calmé, de temps de déroute, je passerai en douce comme dans du beurre, à travers les guerres, pseudo-nucléaires, où les coins de ciel bleu, ce sera le début du bonheur. Bonheur. C'est repéré dans le timing puisque on m'a accordé 30 minutes. Oh, pas plus. Et c'est pas toujours évident d'être synchro avec le temps. J'essaie de faire mon possible. Alors c'est vrai que j'avais prévu. En dehors du rappel, bien sûr. Excusez-moi. Écoutez, il ne faut pas tricher avec les rappels. Moi, j'ai le bic. On en a tous besoin. Alors bon, comme on est tous complices, autant voir les choses comme elles sont. Oui. Mais enfin, allez, je vais me baser sur les 30 minutes premières. J'avais donc regroupé, pour être sûr de construire un petit tour de chant relativement homogène, je m'étais groupé sur... 7 chansons, donc j'en ai fait 4, c'est clair que j'en ai encore prévu 3, ni plus, ni moins. Ah bon. Je suis allé chanter au bistrot du coin, ils m'ont demandé « Monsieur, chantez-nous du Brel ». Je leur ai répondu « Foutez la paix à Brel, il est mort ». Dans les parages. Dans les parages, d'autres gens aussi bien intentionnés me posèrent la question suivante. Monsieur, pour nous faire plaisir, pourriez-vous nous interpréter un petit Brassens? Ah, je leur ai répondu, foutez la paix, Brassens, il est mort. Il est mort aussi. Mais ce n'était pas tout. Une bande de gens, aussi particuliers, aussi futés les uns que les autres, me posèrent la question suivante. Monsieur, pour nous faire plaisir, pourriez-vous nous interpréter un petit Cabrel, un petit Renaud, un petit Bruel, un petit slam ou un petit rap? Et je leur ai répondu, foutez la paix à Cabrel, à Renaud, à Bruel, au slam et au rap, ils ne sont pas encore morts. À tous ceux qui me demanderont si par le biais de ma guitare je peux jouer les jeux interdits, je réponds que j'ai une préférence pour les jeux autorisés. Celui de m'autoriser encore à vous partager au moins 3 chansons. Si je me débrouille très bien avec les mots, je tire relativement mes flûtes en photo. Certains ont pu le remarquer, mais je ne suis pas le seul dans l'assistance. Les mots, la photo, jamais 203 et la rando. Et je parcours, j'arpente chaque année à petits pas, en période d'été, les légendaires chemins de Compostelle. Et la France est un pays magnifique, les cathédrales ne manquent pas. Alors, en pénétrant l'une d'entre elles, j'ai eu envie d'écrire une chanson. Crache pas devant les cathédrales, surtout quand leur style architectural, leur nef, leur voûte, leur clocher, leur portique, leur statue de Saint-Jacques, leur relique. Croise mon chemin, s'impose à moi, me salue et m'en jette carrément plein la vue. Je me contenterai juste d'ajouter
quand je pénètre dans ces lieux sacrés, les murs, les coupoles des grands édifices rococo, baroque, byzantin, gothique, me semblent si haut, si impressionnant, si froid, si écrasant, si terrifiant. Et comme par hasard, je n'y croise pas le Dieu que je cherche et qui vit en moi. Génial. Non, je ne crache pas devant les cathédrales, surtout quand des vitraux signés Chagall, avec leur dominante bleu translucide, éclaire, illumine, élucide les mystères supposés des tabernacles. Je m'incline devant un tel spectacle. Je me contenterai juste d'ajouter, quand je visite, quand j'explore ces lieux sacrés où voguent, où défilent bien des gens comme moi, index planté au bout des lèvres et Nikon sous le bras, marchant poliment sur la pointe des pieds, je ne capte aucun signe d'accueil ni d'amitié. Et comme par hasard, je n'y croise pas le Dieu que je cherche et qui chante en moi. Non, je ne crache pas devant les cathédrales, même quand on y vend des cartes postales de braves grands-mères, toujours en fonction, ils trouvent sans doute un sens à leur mission. Les marchands du temple, jadis éconduits, s'intégreraient-ils dans le monde d'aujourd'hui? Je me contenterai juste d'en sourire, de poursuivre ma route et de me dire, quand un lieu sacré devient consacré, officialisé, ritualisé, il perd, il annule, est-ce une évidence, son âme.